Bonjour à tous et à tous. Et oui, ma piscine avec le vieux dans l'eau, ça, je la ferai une fois tous les. Allez, une fois par mois. Voilà. Voilà. Maintenant, on va faire une nouvelle pièce de théâtre. Une nouvelle pièce de théâtre. Alors, non, mieux, on va faire. Non, attends, un peu de on va faire la suite de notre pièce de théâtre. Non, le pièce de théâtre, je la ferai une autre fois la suite de. Ouais. On la fera une autre fois. Une autre fois. Ouais. Bon. Un amour. Ah ouais. Bon. D'ailleurs, je ne sais même plus comment ça s'appelait, donc c'est pas grave. Donc, voilà. Mais par contre, maintenant, on va faire une autre pièce de théâtre. Une autre pièce de théâtre. Ouais, une autre. Hein? Une nouvelle. Aïe, il faut. Ah ouais. Et ça va s'appeler pas le professeur. Non, ça va s'appeler les pompiers. Voilà. Allô, quels sont des pompiers, j'écoute. Oui, madame. C'était un petit feu, c'est devenu un grand feu. Oh là là, dit. Oh, mais les gens nous appellent toujours quand c'est trop tard, oui. Vous nous téléphonez avec quoi? Avec un téléphone fixe ou avec un GSM? Avec un GSM, non, ne changez pas. Hein? Faut pas que le fil brûle. Hein? Bon. Ah oui, maintenant les pompiers, c'est payant. Hein? Ah ouais. Hein? Ah non, non, non. Cas de crédit ou on vient pas. Les gens, ils pensent qu'ils ont du liquide, mais quand on arrive, il est parti en fumée. Hein? Ah ouais. Hein? Et nous, tout c'est pas, c'est quoi la fumée, la fumée? Forter la cigarette, hein. Ouais, on dit, fumer comme un pompier, ça fait 1000 ans que je fume pas, alors ça va, hein, madame. Bon. Bon. Et vous avez pris les dégâts des eaux? Oui, ça va beaucoup mouiller, hein. Ah, on va inonder toute la maison, hein. Ah ouais, pour éteindre le feu, il faut, hein. Ah ouais, hein. Ah, il faut, hein. Et vous avez poussé l'assurance incendie? Ah bon? Ça n'a pas fonctionné, hein, toi, brûlé. Ah oui, hein. Oui. Oui, hein. Et on rentre comment chez vous? Oui, ça je sais. Par la rue, ça je le sais. Mais avec un petit camion, un grand camion, un petit camion. Oui. Y a pas de problème, hein. Ah, il est faux, même. Donc un petit camion, hein. C'est ça que vous avez dit, un petit camion. Y a pas de problème. Hein. Un petit camion rouge, hein, bah oui, ça. Voici, madame, les camions de pompiers, c'est rouge. Une ambulance, c'est blanc ou jaune. Les motos de police, c'est blanc. Si vous voyez une moto de police avec des petites lignes orange, c'est une ancienne moto de police. Qui est dans la voiture de la gendarmerie. Voilà. Qui était racheté par la nouvelle gendarmerie qui s'appelle la police fédérale. Voilà. Ah oui, hein? Oui. Oui, mais attendez, madame. Vous n'êtes pas tout seul, madame. J'ai un autre appel, hein? Je vous mets en musique, hein? Papa, les tuyaux. Papa, la grande échelle. Il faut éteindre le feu. Allô, pardon, bonjour, j'écoute. Mais attendez, t'as quel âge, frère? Ah. Les pompiers, c'est payant maintenant. Hein? T'as qu'un adulte? Avec ton papa? Oui. Tu me le passes? Comment ça, il est par terre? Et qu'est-ce qu'il fait par terre? Il fait.
Ah, c'est mauvais signe, ça. Ah ouais, s'il n'y a pas de temps qui fait. C'est mauvais signe. Ah ouais. T'as pas les chiffres à l'école? Oui. Bon. Alors, tu vas téléphoner pour moi. Enfin, tu vas téléphoner toi-même. 0, 2, 53, 0, 2, 900. Oui. Pont funèbre, Bornio. Tu vas voir. Non, non, appelle-les. Tu vas voir, quand ils vont venir, tu vas voir, ton papa, il fera plus. C'est la dernière fois qu'il le fera. Allez, au revoir. Allô, Christian Pompidou. Bonjour. Dis, chou, pourquoi tu m'appelles, hein? Oui. Bah oui, mais si t'as rendez-vous chez ton cousin, va chez ton cousin, tu me déranges là. Toi, c'est une comique, toi, ça aussi. Oui. Dépêche-toi, ma chérie. J'ai un client sur le feu, hein. Ah ouais, mais j'ai pas envie qu'on la retrouve gris comme un hot dog, hein. Alors dépêche-toi, ma chérie. Oui. Oui. D'accord, au revoir. Allô, c'est Gazané Papier. Bonjour, j'écoute. Oui. Ah non, madame, désolé, nous on fait pas les chats. On fait pas les chats dans les arbres, désolé. Il faut appeler SOS. SOS animalier. Voilà. Oui. Alors, madame? Allô? Allô? Mais ce qu'elle a raccroché, hein? Gilbert, les gens qu'on a que ça qu'à faire, hein? Oui, on dit. Et voilà, la pièce de théâtre dans le sketch est terminée. Voilà. Et maintenant, une nouvelle pièce de théâtre. Hein? En forme de sketch, hein? Ailleurs. Et ça va s'appeler Viens à la maison. Voilà. Alors, oui, bonjour. Oui. C'est pour. Ah oui. Oui, je sais. T'es venu chercher tes clés pour de ta femme. Je sais pas où elle est, les clés de ta femme. Ah non, non, elles sont pas ici, hein. Ah, tu crois que ta femme est ici? Tu crois que ta femme me trompe avec moi? Ah non, 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 hein. Ta femme, elle me trompe pas avec moi, hein. Ah non, elle se trompe tout seule. Donc ça va, hein. Ah ouais, hein. Ben ouais, mais t'as qu'à. Hein? Ouais. Ah non, 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 non. La femme que t'as vue, c'est pas ta femme. Ah, tu le sais, ça. Non. Ça, c'est un robot que j'ai conçu moi-même. Oui. Le robot 2000. Oui. Ah non. Le robot 2021. Oui. Ah ouais, hein? Ah, mais il détecte tout, hein? Ah, ouais. Ah, avant que les gens arrivent, il sait déjà si les gens ont le virus ou pas. Donc, tu t'imagines? Ah, il détecte tout, hein? Ah, ouais. C'est des. Ah, ouais. Par exemple, hein, il y a quelqu'un va sonner à la porte, hein? Ah, alors, bon, il va. Cette dame-là, elle a le virus. Mettez votre masque, madame, vous avez le virus, tu vois? Il a détecté qu'elle avait le virus avant de prendre sa tension. Ah, avant de faire le test. Tu t'imagines, dit? C'est un génie, hein? Ah, yeah. Je te l'avais dit, hein? Ah, oui, mais il détecte tout, hein? Même le mensonge, il détecte. Donc, tu vois, à moi, il y a par exemple, est-ce que je suis l'amant de la femme de monsieur? Tu vois, il dit rien. Ça veut dire que j'ai la vérité. Non, il aurait clignoté ou il aurait fait du bruit. Donc, tu vois. Bon, alors. Ouais, mais allez, va, oui, ça. On va pas parler à la cousine. Et ne brûle pas tes circuits, hein, en faisant la cousine. Bon. Non, tu vois, ta femme, elle n'est pas ici, hein, Jacques. Ben oui, mais je suis désolé, mais elle n'est pas ici, ta femme. Hein. Ah, t'as cru qu'elle était ici. Non, elle n'est pas ici. Hein. Elle n'est pas ici, ta femme. Ah, tu croyais qu'elle était ici. Mais elle n'est pas ici, hein, ta femme. Ou toi, je l'amène, moi, ta femme. Hein? Hein? En dessous du chien? Hein? En dessous du GSM?
Hein? Dans une porte? Dans une poubelle? Non, pas dans une poubelle, mais bon. Hein? Dans un livre? Hein? Bien que je suis seul, hein? Bon, alors. Ah, mais tu peux fouiller partout, hein? Tu vas pas la trouver ta femme ici, elle est pas ici. Ah, t'es la mieux rentrée dans l'immeuble, mais tu sais, je suis pas le seul, hein, dans l'immeuble. Il y a plein de gens dans l'immeuble qui habitent ici, il y a plein de voisins, hein? Ah, ça blique, hein? Elle est peut-être rentrée chez une autre personne, hein? Ah, elle savait qu'elle allait venir chez moi, mais tu vois bien qu'elle n'est pas chez moi, hein? À moins qu'elle soit invisible, mais ça m'étonnerait, hein? Tu connais bien ta femme, hein? Ce sera invisible, tu le saurais quand même, hein? Bon alors. Hein? Ta femme? Mais je viens de le dire, je sais pas où elle est, ta femme. Oui. Oui. Tu veux un cocktail? Oui, j'appelle le garagiste. Ah, le garagiste. Le barman, alors voilà, oui, c'est un robot aussi. Ah oui, chez moi, il n'y a que des robots. C'est moins fatigant, et en plus, ça ne tire jamais la tête, et ça n'arrête jamais, et en plus, ça ne parle jamais de salaire. Ah non, hein? Au moins, ça, on est tranquille, hein? Et ça parle jamais de congé non plus. Et ça fait jamais grève, un robot. Au moins, 24 sur 24, tu peux le faire avec ton robot, hein? Oh! Sûrement. Hein? Tu peux même le jurer de tout. Hein? Ça, il comprend quand même rien, alors. C'est un robot, hein? Ça n'a pas de cerveau, hein? Bon, alors. Ah, voilà le barman. Voilà. Oui. Ouais, mais vas-y, occupe-toi de lui, hein? Ah, il veut un cocktail pour l'amour. T'en as un? Oui? Eh ben, vas-y. Non, c'est bien vert, hein. Non, ça ressemble pas à un pot de fleurs, hein. On croit que ça ressemble à un pot de fleurs, mais c'est pas un pot de fleurs. Hein? Bon. Hein? Ne pousse pas! Si tu le pousses, il va se mettre à danser. Ah, ça blift, hein? Ah, ouais. Mais ne le pousse pas, je t'ai déjà dit. Il va se mettre à danser. Ah, quand il danse bien. Oh, ouais. Il danse la Michael Jackson, mais à l'envers. Ouais. Michael Jackson, c'est comme ça. Lui, il a fait comme ça. Donc, tu vois, hein. Ah, ouais. Ah, mon téléphone sonne. Allô? Ah, c'est ta femme. Tu veux lui parler? Ton homme est chez moi. Il croit que t'es chez moi. Ouais, mais il t'a vu rentrer dans l'immeuble. T'es où? Bloqué dans l'ascenseur. Ta femme, elle est bloquée dans l'ascenseur. Et toi, t'as fait comment pour venir? Ah, t'as pris les escaliers. Ton homme, lui, il a pris les escaliers. Elle est coincée dans l'ascenseur. Qu'est-ce que tu dis? Qu'elle reste coincée dans l'ascenseur? Tu veux plus d'elle? Je te dis qu'elle jamais. Tu n'as jamais vu. Bon. Je te le passe. Débrouille-toi avec ta femme un mois. Hein? Bon. Ouais, quand même. Je ne sais pas avec sa femme, moi. Et il a fait un chameau, lui, ou quoi? Oh, franchement. Ah, tu vas aller la dépanner. Mais c'est bien. Oui, ton homme va venir te dépanner. Oui. Ah, c'est son métier. Il est réparateur d'ascenseur. Eh ben, tant mieux. Au moins comme ça, il s'est pas venu pour rien. Allez, au revoir. Ouais.
Il est drôle aussi, c'est l'intelligent quand je suis avec sa femme. Non, moi je sors pas avec sa femme. Hein. Non, je sors pas avec sa femme, je sors avec sa fille. Mais elle est adulte, hein. Ah, ouais. Elle a 90 ans. Moi j'en ai 42. Vous voyez? Donc c'est pas des temps mineurs, hein. C'est pas de la pédophilie, hein. Ce serait plutôt du dérèglement de personnes âgées. Donc tu vois? Bon. Mais l'inverse, hein? Ah ouais. Ah ouais, hein, ça va pas dans les deux sens, hein? Alors, t'as vu? Ah, t'as dépanné ta femme. Tu vois? Elle n'était pas loin. Par contre, la mienne, je sais pas où elle fait, hein, je vais lui téléphoner à la mienne. Allô, ma chérie, oui. Tu viens quand? Comment ça, t'es bloqué dans les embouteillages? Mes klaxons, hein? Ah, t'as déjà fait? C'est le camion de poubelle! Ah, bah ouais, mais laisse-les ramasser les poubelles, hein? Ils sont payés à l'heure et au poids et au kilo, hein? Alors laisse-les ramasser les poubelles, hein? Oui. Ah, bah voilà, la route est. T'es où? Ah, t'es en bas? Ben, je t'attends. Oui. Ah oui, je t'attends. Oui. Adieu. Oh là là, faut tout expliquer ici, hein. Voilà, oui. Ma femme va arriver. Ah, tu veux faire sa connaissance, il n'y a pas de problème, hein. Avec toi, ta femme, elle est là. Non, il a cru que j'étais non, hein. Moi, je suis marié, hein. Avec une femme de 92 ans. Alors ça va, hein? Avec une femme de 92 ans. Oh, mais t'inquiète pas, elle prend l'ascenseur. Ouais. Non, elle marche vite, hein? Elle court, hein? Elle arrive encore à faire les 20 km de Paris, hein? Et même celle de Bruxelles, hein? Mais avec un trotteur. Ah ouais, ça. Ah ouais, hein. Ah ben là, voilà ma femme. Tu vois? Je t'ai pas menti, hein. Ah là, ma chérie. Ah bon? Oui. Ah ben, tant mieux. Ah, t'as été voir le docteur. Il a dit quoi? Ah, il a dit d'aller rajeunir. Ah, mais je sais pas où il a vu ça, hein? Mais bon, c'est pas grave, hein. Et qui t'a été voir? Le docteur Pierrot. Ah ouais, ben celui-là, il raconte n'importe quoi, hein. Si les gens pouvaient rajeunir, ça serait, hein. Yodi. C'est sûr que c'est pas lui qui vit plus vite que les personnes âgées et que quoi que les personnes âgées ont rajeuni ou quoi, hein. Parce que, hein? Rajeunir, moi je veux bien rajeunir, hein, mais on rajeunit pas, hein. Non, au contraire, on vit de plus en plus, hein. Ah bon? Voilà, moi je présente des amis et un ami et sa femme. Voilà. Voilà. Ah, vous pouvez rester manger à dîner, hein. Ah oui, hein. Pour ça, dans ma PSA, ça se passe en France. En France, on peut inviter 5 personnes. Alors, on est que. Non, ceux qui sont dans là, ceux qui habitent chez eux, on compte pas, hein, en France. Non, hein. Par contre, ceux qui habitent pas ici, on les compte. Et là, il n'y en a que deux invités. Ah, mon téléphone. Oh, oui. Allô? Ah, oui? Bah bien, oui. Oui, de toute façon, on peut être à 5, il n'y a que 2 invités. Avec toi, ça part à 3. Ah oui, hein? Ah oui. Alors, ça compterait pas si tu habiterais encore avec nous, hein?
Mais comme t'habites plus avec nous, hein? Un fiston. Ouais. Allez, au revoir. Attends-toi. C'est rien, c'est mon fils. Il va arriver, il va venir. Ah ouais? C'est mon fils que j'ai avec la dame, avec la femme que j'ai épousée. Ah ouais? Non. Non, quand j'ai fait l'enfant, elle avait pas 92 ans. Non, non. Ah, elle avait 65 ans. Donc, tu vois, hein? Non, elle a eu sa ménopause qui a 82 ans. Ah ouais. Ah, il faut. Ah, ça ressonne. Oui, allô? Oui. Ah, c'est toi. Oui, hein. Tu peux venir, hein. Avec mes deux invités, plus mon fils. Et avec ça, ça fera bah, 4, hein. Donc 2. 3. Et avec ça fait 4. Il manque un cinquième. Ah, ta femme est là. Ah ben voilà. On est au complet. Voilà. Oui. Vous restez pour le dîner, hein? Oui, d'accord. Je vais appeler. Oui. Oui. On sera 5. Enfin, il y a 5 invités. Hein? Avec moi et ma femme, ça fait 6. Enfin non, ma femme ça fait 6 et moi ça fait 7. Tu vas manger pour 7. Oui, pour 7 personnes. Oui, aujourd'hui, pas hier. Bon. Voulez manger, boire ou prendre un apéritif? Oh, mais vous avez le temps, hein? Le repas ça, ne sera pas prêt que dans 3 heures, hein? Ah, mais il faut. Elle a épluché les pommes de terre, elle a épluché les oignons, faire la viande, préparer tout ça dans la casserole. Ah, mais non, mais c'est des bonnes casseroles, hein. Ah, on met tout ensemble, hein. Non, pas la viande, hein. Mais les légumes, on met tout dans la même casserole, et ça n'apprend pas le goût de l'autre. Ah, non, non, ce sont les casseroles qui viennent. Les casseroles Edenadams. Ah ouais? Ils ont 30 ans de garantie. Ah ouais? Ces casseroles-là, ils ne meurent jamais. Ah non? Ah non? Ah non? Quand je suis plus là, les enfants, enfin mon fils, il pourra reprendre, hein? Et les enfants, pourront le reprendre, hein? Ah ouais? Mes casseroles, ils vont connaître toutes les générations. Ah ouais? Non, 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 c'est nous qui m'a et eux connaissent à cause de. Ah ouais. Et. Ah ouais, c'est mort, c'est cher, hein. Les casseroles qui ne meurent jamais, c'est cher, hein, ça c'est sûr. Mais bon, ah mais ça existe, hein. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est pas une blague, hein. Bah, j'espère que cette année-ci, il y aura le salon de l'alimentation. Enfin, moi, je ne suis pas des casseroles, parce que moi, je ne peux pas manger, mais. C'est une, hein. Les casseroles, les casseroles étaient d'Adams. Ah ouais. Mais c'est du bon matériel, hein. Ah ouais. Avec les couvercles. Et nous, avant, les poignets étaient soudés. Là, non. Là, tu peux, et ça se clip et ça s'enlève. Ah ouais, et tu peux mettre dans la vaisselle. Ah ouais. Et si t'as un problème avec les poignets, tu envoies une lettre, hop, on te renvoie des nouveaux poignets. Ah ouais. Hein? Et les femmes qui ont l'habitude d'assommer leur mari avec le poids long, ne le faisaient jamais avec celui-là. Hein? S'il va pas la mac et ta dame sur le front, hein? Ou il reste assommé, ou ça va se lever. Hein? Non, avec les anciens modèles, on assommait, et la poids long avait une bosse. C'est peut-être que la viande tournait autour, le beurre tournait autour. Mais non, maintenant c'est le mari qui va tout prendre la casserole. La poids long, oui, il aura rien. Hein? Non, 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 c'est sûr, il aura rien, le poids long. Ah non, hein. On met tout dans la même casserole. Hein. La viande, on la met ailleurs. Ah, hein. C'est des plats à déduction. Oui, éthique. Voilà. Avec des chiffres. Voilà. Ah, ça va plus vite. Oui, c'est même quand il n'y a pas de courant. Ça, c'est sûr que s'il n'y a pas de courant, là, ça va moins vite. Mais t'as pas. Ça peut aussi aller sur les.
Ces casseroles-là peuvent aller partout. Ça peut aller dans le micro-ondes, dans le four, sur des plaques au gaz, sur des plaques à électrique, et même sur des plaques qui fonctionnent à l'énergie solaire. Ouais, et même ceux qui font à l'eau. Mais non, les plaques qui marchent sur l'eau, qui font à l'eau, ils n'existent pas chez nous. Ah, non. Si tu veux connaître une cuisinière qui fonctionne à l'énergie de l'eau, il faut aller en Afrique. Parce qu'en Europe, il n'y en a pas. Ah non. Ah non. Enfin, pas en Afrique, que je raconte. Pas en Afrique. Au pôle Nord, pardon. Au pôle Nord. Ouais, parce que chez eux, il n'y a que de l'eau chez eux. Donc, l'eau gelée. Mais ils doivent la faire fondre. Mais ça, c'est pas grave, hein. Ah ouais, hein. Ah non, ici. Bon. Hein. Mais installez-vous, hein. Faites comme chez vous, hein. Vous voulez pas? Ben, ça, c'est pas grave, hein. Installez-vous, prenez des chaises, de la pourrin. Hein. Ah ben voilà, le barman, il est là. Il va prendre votre commande. Voilà. Non, d'abord les invités, d'abord. D'abord les invités, Alfred. Oh. Toujours expliquer à ce robot, hein. Bon abruti. Hein? Non, mais. Non, j'ai d'abruti, il n'a rien compris. Donc, vous voyez, ils n'ont pas de cerveau, les robots. Je vous le dis, ils n'ont pas de cerveau, les robots. Ils n'ont pas de cerveau. Ils n'ont pas de cervelle. Non. Alors, ils ont une carte mémoire, mais une carte mémoire, c'est pas un cerveau, hein. Ah bon? Ah si, c'est le cerveau du robot. Voilà, la caméra, c'est leur cerveau à eux. Ouais. Ils enregistrent tout, mais parfois, parfois ils arrivent à oublier des choses, hein. Ah. Mais bon. Bon. Oui. Installez-vous, je vous l'ai déjà dit. Oui. Ah, ça vous a fait votre. Ah, vous avez déjà installé, ah, c'est bien. Ah, vous avez déjà pris votre montre. Oui. pour moi, attends, je vais te prendre. À côté de l'amour, moi aussi. Ce sera donc pour moi et ma femme. Ah, tout le monde a pris la même chose. Ah, ben ça va alors. Tout le monde a pris un côté de l'amour. C'est bon. Tu peux donner en cuisine. Le préparer. Voilà. Oui. Et apporte des amuse-bouches, des amuse-gueules, enfin des trucs pour grignoter. Des chips, non pas des chips, des saucisses ou des. Non, mais ici, tout est bio. Tout est bio. Tout est bio ici. Le dîner que vous allez manger, il est bio. Hein? Même la viande, elle est bio. Hein? C'est de la vache, c'est du bœuf, mais la vache, elle mange que de la bio, hein, qui a été poussée en serre. En serre. Hein? Non, elle mange. Hein? Tout est bio. Ah ouais. Les légumes, les fruits, tout ça est bio. Hein. Ah ouais, il n'y a rien de. Tout est tout à poser dans une serre. Ah ouais, il n'y a pas de produits chimiques. Ah non, non, tout est bio. Mais le produit aussi, il est bio parce qu'il est plus cher, mais bon. Ah ouais. Hein. Ah, les magasins qui vendent bio, ben, ils sont juste ici en bas de la rue. Faut pas aller loin, hein. On descend on traverse et on y est. Donc, tu vois, on ne doit pas aller loin. Hein? Ah, mais c'est déjà arrivé que. Ah non, non, c'est pas moi qui vais faire les commissions. Non, non, c'est mes robots qui vont. C'est déjà arrivé qu'ils ont oublié quelque chose. Oui. Mais comme il n'est pas loin, il ne doit pas aller loin pour retourner. Donc, c'est bien. Ah oui. Ah ouais. Oui, la dernière fois, j'ai demandé 1 kg de pommes de terre. Ouais. Il est revenu avec 5 pommes de terre. J'ai bien 1 kg de pommes de terre et non pas 5 kg, et non pas 5 pommes de terre, mais bon. Voilà.
Ouais, mais l'autre fois, il a fait pire, hein. J'ai demandé deux casiers de Jupiler. Il est revenu avec cinq casiers de Jupiler. Ouais, mais, hein. Je lui ai dit, retourne, hein. Alors, il dit, non, non, c'est. Bon, je suis retourné moi-même chez le, au magasin. Et il m'a dit, c'est pas grave, j'en vous fais cadeau. Pourtant, vous avez demandé quatre, hein. Non, non, cinq. Ah oui, cinq. Et non, 4. Non, 2, 2, 2, pardon, 2. Et il en a pris 5, c'est ça. Voilà, vous en, je vous en fais cadeau de toute façon. Vous en, j'ai commencé que 2. Ah bon? Ouais. Mais les 5, c'est fait par la maison. Ah, c'est bien. Oh, il est gentil. Hein. Ah, ouais. Ah, ouais. Il est marié avec une. Il est marié, hein? Ah, ouais. Avec une italienne. Ah ouais, ah ouais. Ah non, c'est une femme, elle est sympa. Elle est médecin. Hein? Ah ouais. Elle est médecin. Médecin des fleurs. De médecin d'agriculteur. Voilà. Elle sent tout ce qui est plantes et fleurs et tout ça. Voilà. Ah ouais. Le seul problème, c'est que les fruits, les légumes et les plantes et les fleurs n'ont pas d'argent pour payer. Mais bon, ça. Bon. Hein? Ouais. Oh, mais t'inquiète pas, hein. Elle a connu chose, hein. Oh, ouais. Bon. Eh bien, la PTA est terminée. La suite de la PTA, ça sera pour demain. Voilà. Donc voilà. Demain, sur le site de Milou, vous aurez la vidéo pour Anderlecht. Ils doivent gagner. Hein. Demain, Anderlecht doit gagner contre le FC de Bruges pour essayer d'être deuxième au classement. C'est pas gagné. Mais d'avoir gagné. Voilà. Mais c'est pas encore gagné, mais d'avoir gagné. Voilà. Et maintenant, voici les aventures et les histoires de Jeannot et Jeannette. Allez, belle maman. Voilà. Ah oui, là, on vous voit. Enfin, on vous voit sur le GSM. Ah non, on vous voit sur les deux. On voit plus sur la tablette que sur le GSM. Hein. Vous avez maigri ou quoi? Non? Ah bon? On va peut-être faire comme ça. Voilà. Comme ça, on vous voit sur les deux. Voilà. Ah, ça sonne, belle maman. Faut mieux t'aimer répondre. Hein. Voilà. Oui. Ah, c'est Raoul. Oui. Oui, c'est maman. Oui. Ah oui, Raoul. Oui, vous ramenez encore, bah, c'est bien, hein. Il faut en profiter. Oui, mais toujours visiter les zones vertes, hein, si vous voulez éviter la quarantaine. Ah, il le faut, hein. Ah oui, hein. Oui. Oui. Ah ouais, on est le 1er mai. Ah oui, hein. Dans 29 jours, non, oui, c'est ça, dans 29 jours, vous rentrez déjà. Dans 29 jours, on est le 31, oui, hein. On compte plus aujourd'hui, hein. Ah non, hein. Ah oui, hein. Ah, il est fort, Raoul. Oui. Oui. Ah oui, Raoul, il est fort, hein. Je l'ai déjà dit, hein. Oui. Ah. Tu veux pas la papille? Il n'y a pas de problème, hein. Je le passe. Papy, le papy des deux Raoul. Ah ben maman, ça va? Ah ouais, ça va, il le faut. Hein? Avec ça, c'est moi qu'il le faut. Hein? Il le faut toujours. Hein? C'est la vie. Hein? Ah oui. Hein? Et il faut quoi? Ah, il rame. Ah, il rame. Mais toujours, ouais, je dis toujours aux gens de vers tout ça, la quarantaine obligatoire, je sais. Et le testage aussi, obligatoire. Que ce soit. Ah, les bâtons dans le nez, enfin, les deux dans le nez et c'est dans la bouche,
qui fait l'animal là, le phoque là, pas le phoque, enfin bref là, ou alors, mais le mieux c'est ça tomber sur le front, voilà. Ouais, oh non, mais ça existe, hein. Et le système, il y a même un thermomètre que tu mets sur le front et il prend la température, hein. C'est pour les enfants. Oh, mais ça, les enfants, ils n'ont pas, hein. Enfin, les enfants de maintenant, ils n'aiment pas trop qu'on mette le thermomètre dans la bouche ou dans le pet. Non, non. Alors, comme ils n'aiment pas, on a monté un thermomètre spécial, on met sur le front et on voit la température qu'ils ont. Ah ouais, hein. Et en plus, au moins, comme ça, on est sûr qu'ils n'ont pas mis le thermomètre sur le chaude pour tricher, ou sur le chauffage pour tricher. Donc voilà. Ah ouais, hein. Bon. C'est sûr, hein? Vous avez fini, papy? Oui. Voilà. Oui, c'est Jeannot. Oui. Alors, papy, il dit qu'il est très content. Il dit que vous avez continué à ramer. Continuez toujours les zones vertes. Zone, hein? Pas les hommes, hein? Si tu rencontres un homme, vert, c'est Hulk, hein? Comme je l'ai déjà dit, hein? Bon. Bon. Oui. Hein? Bon. Non, les zones Z. Zone Z O N. Voilà. Zone. Zone Z O N. Voilà. Voilà. En néerlandais, c'est la même chose. Oui, je sais, je connais, mais non. C'est la même chose. Mais on le dit d'une autre manière. On le dit d'une autre manière, différemment. Voilà. Hein? Ya. Aïe, Raoul, ya. Oh, ah. Jean-Jean et Jean-Philippe et Nicolas veulent parler à leur papy. Mais il n'y a pas de problème, hein. Le pape, allez, allez, mais lui va faire le papy de Jean-Jean, de Jean-Philippe et de Nicolas. Allons, les gars, on va, aïe, yon, 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 quelle affaire, aïe, yon, 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 voilà. Oui. Elle veut pas là son papy, y a pas de problème. Allez. Le papy de Roseline. Allô, ma chérie? Ouais, ça va? Ouais, on s'enlignait? Ouais, pas trop chaud? Non. Ouais, tant mieux. Ah, il est fort, ma chérie? Ah, ouais, hein? Oui. Ah, mais ouais, hein? Oui, au revoir. Voilà. Ah, vous voulez parler au papy de Jeannette et de Tintin? Il n'y a pas de problème. Le papy de Tintin et de Jeannette. Ouais, c'est ça, de Jeannette. Alors, les gars, ouais. Ah, il est fou, hein, ouais. Ah, mais je l'ai déjà dit, hein. Il faut s'amuser, en profiter. On a qu'une vie sur la vie, hein. Allez, au revoir. Voilà. Oui. Ah, oui. Ah, Raoul avec le H, oui. Il veut parler à sa femme. Pas de problème. Allez, belle maman. Vous avez joué le rôle de la femme de Tintin, de Milou, de Raoul avec le H. Vous avez joué le rôle de Tintin. Ouais, vous avez joué le rôle de votre belle-fille. Allô? Oui? Ah, mais mon chéri, il le faut, hein? Ah, mais ouais, je te le dis, hein? Amuse-toi bien, hein? Ah, ouais, t'es pas très folie, hein? Mais amuse-toi bien quand même, hein? Ah, ouais, hein? Ah, c'est normal, hein. Ah, mais je l'ai déjà dit, hein. Ah, là, dit. Ah, mais oui, hein. Oui. Oui. Ah, oui, hein. Raoul, il le faut, hein. Oui. Oui. Ah, oui, hein. C'est normal, hein. Il le faut, la frite, hein. Oui. Oui. Ah, oui, hein. C'est normal, hein. Il le faut, il le faut, il le faut, il le faut, hein. Ah oui, hein. Oui. Oui. Ah oui, hein. Oui. Ah oui, hein.
revoir, chérie. Au revoir. Voilà. Oui, et ça, c'est Jeannot. Alors, là, vous avez vu tout le monde, hein. Ah, oui, hein. Alors. Hein? Ah, il le faut, Raoul. C'est important, la vie, hein. Je l'ai déjà dit, hein. La vie, c'est comme de l'air qu'on respire, c'est la même chose. Ah, oui, hein. Ah, oui, hein. Y'a. Mais y'a, allez, y'a. Allez, au revoir. En tout cas, tout va bien. Ils sont en train de ramer à la recherche d'une autre zone verte. Alors, ils sont là pour le tour du monde, hein, donc ils sont mal. Hein. Maintenant qu'on peut nouveau voyager, ils doivent continuer à se remettre à ramer, à faire leur tour du monde. Hein. Même si pour le moment, ils doivent faire que les zones vertes. Les zones vertes. Zones vertes, c'est ça. Donc voilà. Hein. Rien, hein. À même moment. Ah oui, vous avez raison, Jeannot. Il est fort, hein? Ah mais oui, c'est normal, hein? Et, hein? Qu'il le faut. À sa blift, hein? Ah oui, à sa blift, hein? Et voilà, les aventures de Jeannot et Jeannot, c'est fini pour aujourd'hui, mais ils reviennent demain. Voilà, au revoir, même moment. Au revoir. Voilà. Maintenant, des invités, voilà, vous, avec, voilà, la famille au complète, bon. Non, Flipper, Willy, oui, bon, c'est le cousin de Willy, hein. Non, c'est le fils de Willy. Voilà. Willy Junior. Attends, hein. Ah, pardon, mon amour. Voilà. Vous voyez tout le monde? Non, non, faut pas embrasser les invités, hein. À sa bête, nous, Milou. Voilà. Bon. Moi, comme vous me connaissez, je vais ma pause cigarette. Bon. Mais on vous écoute à les invités. Alors, quoi de neuf? Ah, là, on est dans le groupe qui va chanter aussi. Ah, on se vient ça. Ah, oui, hein. Et on s'amuse aussi, hein. On danse, on chante. Hein? On fait même des concours. Des concours, ouais, de nage, ah oui, ouais, on fait des concours de natation, hein. Ah mais c'est bien ça, pendant enfin, ah ouais, mais il le faut, hein. Ah oui, il le faut, c'est normal qu'il le faut, hein. Il le faut toujours, hein. Ah ouais, hein. C'est normal, hein, ça arrive, hein. Et à part ça, ouais, rien de spécial, hein. La routine, ah oui, ah oui, hein. Comme d'habitude, hein. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Ah ouais, ça c'est sûr, certain. Comme d'habitude, hein. La routine, hein. Ah ouais. Ben, c'est bien. Ah ouais, c'est bien, il le faut, hein. Et on s'amuse et tout, et puis voilà, hein. C'est comme ça, hein. Mais c'est vrai, ah ouais, c'est génial, hein. Ah ouais, on voit sur les deux, oui, ah oui, tant mieux. Ben c'est bien, ah ouais, c'est magnifique, hein. Ah mec, c'est magnifique. Ben c'est bien, ah ben ouais, il le faut, hein. À part ça, rien de spécial, hein? La routine, comme d'habitude. Je sais, vous l'avez déjà dit. Mais à part ça, rien de neuf, hein? Comme d'habitude.
Ah ben c'est bien, hein, il le faut, hein. Ah, c'est normal qu'il le faut, hein. Il le faut toujours, hein. Ah oui, hein. C'est sûr et certain, hein. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Ah ben c'est bien, hein. Ah ouais, c'est bien, hein. C'est même magnifique, hein. Ah là, c'est magnifique. Mais à part ça, ouais. Oui, ah oui, les concours de nage. Alors, qui a gagné? Moi, puis Faouli, puis ma femme, et puis ma fille, on a tout gagné. Ah, mais c'est bien ça. Ah, ouais, hein? C'est bien, hein? Ah, ouais, hein? Non, vous n'êtes pas pour 2022. Non, pas tout à fait, mais presque. Ah, presque. Ah, ouais, hein? Il le faut, hein? Ah ouais, il le faut, hein? C'est normal, non? Ah ouais, c'est normal. Et à part ça, rien de spécial, hein? Non? Ah non, comme d'habitude, hein? Ah non, comme d'habitude. Ah ouais, hein? La routine, hein? Ah ouais, hein? La grande routine et la petite, hein? Ah ouais, non, pas la grande, hein? Ah ouais, hein? C'est mieux, hein? Ah ouais, hein? C'est bien, hein? Ah ouais, c'est bien. Il le faut, un qu'il le faut. Et au revoir, au revoir. Alors. Flipper et ou et le et voilà, boum, c'est rien. C'est rien, vous avez ressemblé quelque chose, mais c'est pas grave. On a droit. C'est rien. Voilà. Voilà. Et voilà. Salut. Voilà. Et voilà. On se retrouve demain à 22 h. Au revoir demain.